Donc ce film documentaire a été produit à l'initiative du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Aude. Son sujet est un sujet que vous connaissez tous, que vous expérimentez peut-être tous dans vos vies quotidiennes. Il s'agit de la désertification des centres anciens, des centres de nos villages, de nos bourgs ruraux. Mais c'est aussi un phénomène qui touche des villes moyennes, une ville comme Carcassonne par exemple est frappée par ce phénomène. Donc qu'est-ce qui se passe? Les maisons se vident, les habitants s'en vont, les commerces se ferment, les services disparaissent. Et on a comme ça tout un tissu ancien qui est un tissu aussi relationnel, un tissu de vie, qui disparaît, qui s'évanouit. Alors par rapport à ce constat, le Conseil d'architecture a lancé un concours d'idées à de jeunes architectes, urbanistes, paysagistes, mais il y a aussi des sociologues qui ont répondu, des anthropologues, pour s'interroger sur est-ce que ce mouvement est vraiment irréversible ou est-ce qu'il y aurait des moyens de faire revenir des habitants dans les centres anciens, de les rendre à nouveau désirables, ou est-ce qu'on est vraiment sur une pente fatale avec ce phénomène de nouvel exode qui fait que finalement les habitants partent, mais partent parfois pas très loin d'ailleurs, à la périphérie, dans ce qu'on appelle des extensions, des lotissements, avec une vie qui, du coup, est assez déstructurée, parce que lorsqu'on vit dans ces lotissements, on n'est plus forcément très en relation avec le centre du village, et on a tendance plutôt à aller vers l'extérieur. Par rapport à ce constat, donc, ce concours d'idées a été lancé, et ces jeunes professionnels ont répondu avec beaucoup de talent et beaucoup d'idées, nous ont amené beaucoup de propositions, et à partir de ces propositions, une exposition a été montée, a été créée, elle circule dans les villages. Et nous avons souhaité aller un petit peu au-delà et aussi proposer ce que vous allez voir ce soir, c'est-à-dire un film qui donne la parole aux habitants donc de Pieux, où a été tourné le film, et de Lormes-Minervois, l'autre commune où a été tourné le film. Et nous avons filmé en fait ce moment, qui est un moment rare et très précieux, et sur le plan d'un film documentaire, c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup, de saisir en fait ces instantanés, parce que ces étudiants ou ces jeunes professionnels qui avaient travaillé sur ces problématiques sont revenus dans les villages le jour où ils ont reçu leur prix. Et ils sont donc retournés dans les rues, sur les places, dans les maisons où ils avaient travaillé et fait des propositions de modification, de transformation. Et donc nous avons filmé avec Stéphane ces moments de rencontre un petit peu improbables et parfois à haut risque, entre ces jeunes qui avaient fait des propositions et puis les habitants qui vivent là au quotidien. Alors ce film, vous le verrez, c'est pas un film qui apporte des solutions. Les solutions, il y en a dans l'exposition, qui sont des solutions techniques, on va dire, en tout cas des propositions techniques. Ce film est plutôt là pour soulever des questions, et on a souhaité effectivement qu'il reste géré sur cette crête, de façon à ce que le film se continue dans la salle, avec vous. C'est-à-dire qu'on pense que c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer. La vie de nos villages, eh bien, ça nous concerne tous, ça concerne les élus, ça concerne les habitants, ça concerne tout le monde, et ceux qui font des films aussi. Donc après ce film, que nous avons voulu volontairement court, qui dure 45 minutes, eh bien, c'est vous qui aurez la parole, et on pourra débattre tous ensemble autour des questions que soulève ce film. Bonne projection. Le conseil municipal a voté la possibilité de rendre cette rue, ce chemin de ronde, en sens unique. Faisant cela, ça nous permet de faire un trottoir d'environ 1,20 m, je crois, à peu près de large, hein, qui sera très piétonnier et qui permettra de voir le Razès, la Balle-Père, la route de Carcassonne. On renoue aussi le lien avec le grand paysage, et ça c'est important. Hein, nos villages ne sont pas arrivés comme ça n'importe comment, hein, ils ont une inscription dans un territoire, et tout est important, et ces liens-là aussi sont importants. Hein, le village, le cœur du village, il bat aussi avec le paysage, avec tout ce qu'il y a autour de lui. Hein, donc c'est vraiment une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce que proposent aussi ces jeunes dans leur projet, à certains moments, effectivement, c'est de retrouver des sortes de d'évider aussi des endroits qui sont très, très denses pour permettre justement d'avoir des perspectives sur le paysage, comme ça, et de ne pas s'enfermer dans nos bastides, parce que finalement, nos villages
n'ont pas toujours été aussi denses, hein, ils ont connu différentes époques, et peut-être qu'aujourd'hui, ben, on a besoin d'avoir un petit peu plus de luminosité, justement, et c'est beaucoup plus attirant de pouvoir passer de l'extérieur à l'intérieur sans se heurter constamment à des murs. Donc effectivement, ça faisait partie des propositions. Et puis je crois aussi que dans leur proposition de cette promenade, c'était aussi d'évacuer la voiture et de la mettre sous le chemin de ronde de façon à la masquer. Donc elle est toujours disponible pour les habitants, elle n'est pas très loin, mais elle n'est plus... elle est un peu cachée à la vue. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Oui, c'est ça. J'ai une idée qui me trotte dans la tête. Là, je passais tout à l'heure, quand vous disiez que vous parliez des murs qui cachaient la vue et tout ça. Là, actuellement, je me bats et je suis très surpris et je me bats pour ça. Les gens veulent habiter à l'extérieur du village, et quand ils sont à l'extérieur du village, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, ils bâtissent des grands murs de 2 mètres, donc pour s'enfermer. Alors, on peut se demander, est-ce qu'ils veulent vraiment la convivialité, ces gens-là? Ça me pose problème. Moi, j'ai vu une rue, c'est la rue de l'impasse du Chardonnay, j'y suis passé, mais de chaque côté, vous avez des murs de 2 mètres. C'était avant le PLU. Voilà, c'était avant le PLU. J'allais dire parce que c'est pas légal, hein, comme auteur. Oui, voilà. Oui, c'était avant le PLU, mais même depuis qu'il y a le PLU, mais il faut se battre pour que les gens respectent le PLU aussi. Oui, absolument. Et c'est vrai que, outre ce problème d'enfermement, mais vous avez raison de le souligner, c'est un gros problème. Il y a aussi un problème qualitatif, c'est-à-dire qu'en fait, ces maisons de lotissement, souvent, on dit aux gens, et notamment aux jeunes couples qui veulent s'installer, « Ah ben oui, mais avec un budget de 120, 130 000 euros, vous avez une maison. » Le problème, c'est quelle maison? Parce que ces maisons-là, en termes de qualité, malheureusement, ce sont plutôt des maisons de type jetable, c'est-à-dire que très rapidement, on se rend compte qu'elles vont fissurer, très rapidement, qu'est-ce qu'on voit arriver? Eh bien, des extracteurs d'air, parce qu'elles sont intenables l'été, elles n'ont aucune qualité thermique. Or, il faut savoir qu'une maison de village, certes, ça demande plus d'entretien et souvent de la rénovation, mais au moins, on a là un bâti qui est très qualitatif. Ces maisons étaient là avant nous, elles seront là bien longtemps après nous. On peut les transmettre à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Il y a une notion patrimoniale qui est très importante dans ces maisons de village. Elles ont de vraies qualités architecturales. Alors que les maisons de lotissement, hélas, sont des, comme on dit, des passoires thermiques. Et donc, la facture énergétique est très élevée. Donc, peut-être que le budget d'investissement de départ, il peut être moins élevé, mais finalement, avec le temps, on s'y retrouve moins. Et ça, c'est aussi un critère important. Et puis, ces lotissements, ils ne sont pas construits n'importe où. Et la dame le dit très bien, Mme Sabatier, ils sont construits sur des terres agricoles. Or, les terres agricoles disparaissent en quantité absolument phénoménale chaque année. Et comment les hommes vivront demain s'il n'y a plus de terres à cultiver, s'ils n'ont plus rien à manger? Et puis ces terres agricoles qui sont bétonnées comme ça, on sait que ça a un autre impact aussi. On le sait puisqu'on est dans le sud où on a un soleil assez généreux, mais on a aussi des épisodes de pluie, de pluie cévenole, de pluie d'inondation. Et on sait que plus les terres sont bétonnées, bitumées, et plus le risque d'inondation est élevé. Donc toutes ces considérations-là doivent vous faire vraiment réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on va construire à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, il y a des bâtis vacants, il y a des maisons vacantes qui voudraient peut-être simplement reporter un autre regard sur ces maisons-là et plutôt que de les abandonner, de les laisser derrière nous en regardant vers un avenir qui n'est pas forcément très constructif pour le coup, peut-être se reposer la question effectivement de ces villages. Moi, ce qui me frappe beaucoup, j'ai passé pas mal de temps à Paris le mois dernier et... que font les Parisiens dans pas mal de quartiers à Paris? Ils essayent de retrouver la vie de village. Ils essayent, voilà, c'est pour eux, vraiment, dans tous ces quartiers dits bobos, eh bien, alors on met des tables dehors, on fait des repas de quartier, les habitants des grandes villes n'ont qu'une envie et qu'une idée, c'est de recréer ce qu'eux, ils ont connu quand ils étaient petits, chez leurs grands-parents, par exemple, de retrouver la vie de village. Et ça, moi, j'ai vu partout à Paris. C'était le mois dernier, il faisait très très froid, mais les gens s'affermaient, ils avaient la doudoune, le bonnet, les écharpes, des sortes de petits radiateurs d'extérieur, vous savez, qu'on met comme ça pour se chauffer. Tout le monde était dans la rue, et tout le monde buvait des coups, et tard le soir, et même en semaine, et il y avait, je trouvais, plus de convivialité et de vie
dans ces quartiers de Paris où finalement dans la journée les gens se croisent sans se parler et sont très très pressés, et finalement prenez le temps comme ça le soir de se retrouver dans un esprit vraiment de village. Or nous, cette richesse-là, dans l'Aude et dans beaucoup de territoires ruraux, ben, c'est notre patrimoine, les villages, ils sont à nous, c'est le nôtre. Et bien nous, on est en train de les laisser filer quelque part, on est en train de les laisser mourir. Et il y a une espèce comme ça de décalage incroyable, parce que nous, cette richesse, on l'a. Les lotissements ne sont pas obligatoirement municipaux. Les lotissements peuvent être, et il y en a beaucoup, culte privé. Non, c'est pas que ce soit ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a eu un encouragement politique général à faire des lotissements en dehors des villages. C'est pas les comme ça, par un qui ont dit, on va aller dans ce lotissement. Il y a eu quand même un encouragement à construire ailleurs qu'en centre-ville. Dans les villes et dans les villages. Oui, vous avez raison. Mais là, on le retrouve au problème, c'est que ceux qui voulaient habiter dans ces villages ne veulent pas habiter le centre-ville. On ne fera pas passer le micro. C'est à partir de là que les villages ont autorisé à construire en périphérie de villages. On voit Carcassonne, il s'est peuplé avec tous les villages qui vont dans l'entour. Quand moi j'étais jeune, je suis carcassonné d'origine, Casillac, Palaja, ils faisaient 500 habitants. Maintenant ils sont combien? 2500, 3000, je ne sais plus. Oui, mais pas le centre-bourg. Non, autour du bourg ancien. Parce que s'ils avaient voulu habiter dans le centre-bourg, on ne pouvait pas les accueillir. Et comme on fait remarquer aussi bien à Lormi, à Voix, qu'à Pièce, les maisons du centre-bourg, elles sont toutes en hauteur. Et si on veut. Aujourd'hui, aux critères que veut l'habitat aujourd'hui, il faut agrandir les maisons à centre-bourg, c'est-à-dire une maison, il faut en avoir trois pour en faire une. Tout à fait. Ça, c'est un des problèmes du centre-bourg aujourd'hui, parce que nous avons la chance aujourd'hui à Pièce de revoir le centre-bourg qui se repeuple, paradoxalement. On a eu un recensement en 2008. Il y avait 79 habitants dans le village bourg, dans le centre-bourg, en 2008. Aujourd'hui, nous avons dépassé largement les 100. Et ce qui nous réjouit un peu plus, c'est que ce sont des familles qui viennent. Il y a de petits-enfants qui viennent avec. Et non pas simplement des retraités qui viennent se retirer parce qu'on est dans le midi, on a le soleil. Et là, ça a deux points positifs. Premièrement, on sent que le village vit. Quand il y a les enfants, ça crie, ça pose des inconvénients peut-être. Enfin, il y a de la vie. Et surtout pour nous, égoïstement, ça nous repeuple l'école. Et vous savez qu'un village, on a perdu le bistrot, on a perdu les épiciers, enfin tout ça. Si on perd l'école, le village meurt. Aujourd'hui, nous avons un potentiel très fort au niveau de l'école du village. Oui, je crois qu'on parle d'urbanisme. Mais il me semblerait intéressant si on avait une connaissance sociologique un peu plus fine des habitants de Pieusse. On part par exemple du principe que les futurs habitants, ou les habitants actuels, voudraient tous avoir leur garage et leur cour. Si c'était vrai, il n'y aura plus de la place que pour 50 habitants maximum dans le village. Donc il faudrait mieux savoir ce que souhaitent les habitants du village, ou à l'inverse, quels sont les habitants qui peuvent venir et attirer par les caractéristiques actuelles. D'autre part, dans le même état d'esprit, quand on parle de convivialité, il me semblerait intéressant qu'on développe un peu cette notion. Parce qu'il me semble malgré tout que nous, habitants de Pieusse, on est quand même un petit peu différents des bobos du 11e arrondissement. Et je sais pas, qu'est-ce que c'est que la convivialité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle se développe? Il faudrait chercher ou faire une étude qui soit plus précise et plus adaptée à la réalité des habitants actuels ou futurs du village. Pour répondre en partie à ce que tu viens de dire, là, nous avons quand même des gens qui viennent à la mairie,
pratiquement, je dirais pas tous les jours, mais enfin, au moins 2 ou 3 fois par semaine, qui viennent nous trouver pour justement demander si nous avions des maisons à vendre. Enfin, si à l'intérieur du village, il y a des maisons à vendre, tout ça. Et quand on leur pose la question, que recherchez-vous? C'est la réponse qu'on a vue, c'est un petit jardin, un patio, le garage, je n'en parle pas, mais souvent, lorsque c'est des personnes, notamment avec des ménages, ils veulent un espace pour que les enfants puissent jouer en tranquillité. Ça, c'est le 1, c'est la demande principale que l'on a quand on va habiter dans le vieux bourg, enfin dans le bourg, pour ne pas dire dans le bourg. Après, l'extérieur, ça nous regarde moins, quoi, puisque là, c'est des lotissements, c'est des maisons individuelles. Nous, à Pieusse, on a un seul bâtiment où il y a 6 logements. On appelle ça chez nous le building, hein, pour rester modeste. Après, ce ne sont que des maisons individuelles que nous avons à proximité du village. On voit bien que notre village, ce qui nous préoccupe, c'est de faire venir ces néo-piocents à venir au village. C'est notre problème aujourd'hui, on arrive, on ne sait pas comment le résoudre. Nous avons quand même 18 associations, qui chacune sont animées, et lorsqu'on fait une animation, on crée quelque chose, tu le connais aussi bien que moi, on cherche les habitants de Pieusse. Lorsqu'on fait un concert à l'église, puisque nous sommes prenants, sur 80 personnes, c'est à 25 personnes qui sont de Pieusse. Si tu enlèves les 15 qui font partie de l'association, il ne reste que 10. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que nous posons souvent, nous, comme élus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire venir ces néo-piocents à participer dans le centre-bourg? Nous avons fait, la semaine dernière, je crois, il y a une dizaine de jours, une réunion pour présenter le projet de la transformation de l'espace qui se trouve derrière la mairie. Nous avons fait la publicité, il y avait 20 personnes sur un village qui fait 1050 habitants globalement, dont 700 adultes. Tout le monde avait été prévenu. Tout le monde a été prévenu par téléphone, par les informations que nous pouvons passer. Et sur les 20 personnes qui avaient là, vous enlevez, il y avait 8 conseillers municipaux et 2 architectes. Dans ce qui fait qu'il n'y avait que 10 personnes qui s'étaient intéressées à venir voir le projet que nous allons faire de l'esplanade derrière la mairie, avec parking, parc pour les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour intéresser les gens? Nous, ça nous intéresserait, en tant qu'élus, qu'il y ait des personnes qui nous disent « Bon, c'est bien, c'est pas bien, on peut réunir ceci, on peut mieux. » Lorsqu'on pose des questions, il n'y en a pas. Je parle pas pour toi. Hein. Non, mais je crois que c'est la vraie question. C'est la vraie question. Avant de rénover le village, c'est la vraie question. Les habitants du village. Ben oui. Mais entre ceux qui vivent dedans, oui, ou ceux qu'on voudrait faire venir. Oui, exactement. Alors, une solution, c'est de mettre à panne les antennes TV. On va donner la parole. Il y a Internet aujourd'hui. Aux jeunes. C'est gentil de me le donner quand même, même si, au-delà du fait d'être jeune. Justement, la question que j'allais vous poser, alors enfin, moi quand je vois ça, c'est sur forcément la question économique qui est derrière, qui est pour moi intrinsèque. Hein, c'est-à-dire, les gens ils viendront s'ils ont aussi un tissu social, économique, où ils peuvent travailler, tout ça. Vous avez parlé de Palajar, c'est ça, hein, bon, l'arrondissement, il est dû à l'activité économique autour. Bon. Mais ça, bon, je trouve que c'est encore notre sujet, mais j'imagine que pour vous, dans vos têtes, ça va résonner à côté, voir est-ce que vous avez des études, comme vous pouvez avoir cette étude-là sur l'urbanisation et paysages, sur la relocalisation de l'économie dans les territoires. Et puis moi, c'était Louis, je vous posais la question, justement, comment vous avez vécu ça, d'avoir ces groupes de paysagistes, architectes, pour vous conseiller autour de ça, justement sur des notions qui peuvent être très vagues, comme qu'est-ce que c'est que la convivialité, justement, cette notion de convivialité, elle peut paraître, enfin, il faut voir qu'est-ce qu'on y met derrière, c'est un concept très général,
Je pense qu'il y a 60 ans, c'était pas théorisé. Elle était autogénérée, cette convivialité. Il y avait une remarque d'ailleurs d'une paysagiste assez intéressante sur il faut refaire prendre conscience aux gens que si eux participent à mettre quelque chose dans la rue, c'est pour leur intérêt personnel, mais le commun. Voilà, ça je pense que c'est des choses où on peut le penser, mais voilà, il faut que ça vive dans la population et pas juste poser le concept et voir ce qui se passe. Et en gros, bon, c'était pour vous demander justement comment vous avez vécu ce regard. J'ai regardé, bon, c'est beaucoup d'architectes de Paris, de Versailles, Marseille, Grenoble, des grandes villes. Je suis pas sûr que ces architectes-là aient vécu dans des villages. Et donc justement, comment s'est passée la confrontation des regards? Je vais donner la parole aux élus, mais sachez que ces jeunes, pour la plupart, ont tous un ancrage justement dans des villages. Et beaucoup nous ont parlé de la maison de leur grand-père, de leur grand-mère. Et je pense que s'il y a eu un tel taux de retour, parce qu'on vous lançait un concours d'idées, après, libre à eux de s'en emparer ou pas. Et en fait, on a reçu énormément de propositions, on a senti que c'était un sujet qui tenait à cœur. Et vraiment, il y avait une application. Alors, certains sont des jeunes professionnels en activité depuis quelques années, d'autres venaient juste de finir leurs études ou étaient en train de les terminer. Mais je dirais que ce sujet, ils ne l'ont pas pris par hasard, c'est vraiment un sujet qui leur tenait à cœur. Mais je vais donner la parole aux élus, aux habitants. Je pense qu'il y a eu des relations assez chouettes qui se sont nouées. Oui, parce que ça a été, dans le village, ça a été bien reçu. Les gens sont ouverts à des nouveautés et étaient curieux de voir qu'est-ce que pensaient ces jeunes, qu'est-ce que pensaient ces paysagistes de notre village et comment ils pouvaient le voir. Je pense que, enfin, à mon avis, ils ont été très bien accueillis par les habitants. Voilà. Par contre, ce que je voulais souligner, le problème de Pius, si vous voulez, c'est la proximité de Limoux. On parlait des gens qui ne participent pas, mais c'est vrai, c'est la proximité de Limoux qui fait ça. On a beaucoup de jeunes qui viennent faire construire sur Pius, mais qui en fait ne se sentent pas du village. Pour eux, c'est un agrandissement de Limoux, si vous voulez, Pius. Voilà. C'est dommage. Donc pour les faire participer, effectivement, c'est très difficile. Très difficile, notamment parce qu'on ne peut pas avoir, vu les proximités du centre commercial, on ne peut pas avoir de commerce. Donc ça, les commerces, souvent, ça fait rencontrer les gens. La seule chose qui fait rencontrer les gens sur Pius, ça va être les associations et ça va être l'école. Voilà les deux choses sur lesquelles on appuie et on force. Donc on aide au maximum, on essaie d'aider au maximum les associations et l'école. L'école, donc on met le paquet, encore on a fait un plan numérique, c'est-à-dire on a acheté 13 tablettes. 12 tablettes et 2 ordinateurs. Ouais, 2 tablettes, 12 tablettes en bus, puisqu'on avait déjà une série d'ordinateurs. On a mis des tableaux TVI interactifs et numériques dans toutes les classes. La garderie, les activités périscolaires sont gratuites. Voilà, donc on a mis le paquet là-dessus. Maintenant, pour savoir ce que pensent les gens, moi je veux bien aller leur demander, mais vu l'intérêt qu'ils portent lors des réunions publiques, je me posais la question. Est-ce qu'il va y avoir une réponse? Et j'ai bien peur que la réponse... Et ce soit toujours les mêmes. Voilà. Et que ça me comprendra. Mais malheureusement, ce n'est pas uniquement à Pius. Non. Je vous parle de ce point. Oui, voilà, on parle de Pius. Mais on ne se sent pas coupable, c'est pas du tout. Très loin jusqu'à certains arrondissements parisiens. Deux petites réflexions. Pour l'histoire des gens, l'autre fois, les personnes qui vont dehors, je crois qu'il y a beaucoup de la loi qui interdit de fumer à l'intérieur. Quoi. Non, mais oui, et qui pousse à aller dehors. Donc, c'est comme disait très justement ce jeune homme, ça s'est autoproduit par la loi. Enfin, après, il faudrait faire le détail, mais il n'y a pas de raison qu'avant, on allait à Saint-Germain et on voit ces images où les gens fumaient, sans fumer. Bon, il y a certainement ça. Voilà, donc là, il y a ça. Je me faisais une réflexion, je me disais, justement, en reprenant la ville,
J'avais justement un ami qui vivait dans une chambre de bonne, comme vous savez ce que c'est à Paris, avec deux mômes. Et je me disais, mais en fait, il n'est pas le seul, il y en a un paquet qui vivent dans 12 mètres carrés. Donc, par rapport au village, et donc dans ces 12 mètres carrés, il y a tout, il y a les sanitaires, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être aussi, on peut peut-être vivre dans les villages sans forcément complètement transformer les maisons. Enfin, je passe une réflexion que je me faisais. Après, pour les murs, puisqu'on est dans un cinéma, on peut se reporter à le film de Pink Floyd, c'est plutôt, je crois que c'est Oliver Stone, je ne sais plus, The Wall, je ne sais pas si. C'est Oliver Stone. Non, c'est Pink Floyd. Oui, c'est Pink Floyd, mais le réalisateur, non, je crois que c'est. Enfin bon, bref. Je ne sais pas si certains l'ont vu, qui est une espèce de clip musical, et on parle de ça, quoi. Il y a quelqu'un qui construit un mur autour de lui. Alors je me disais que peut-être ces murs, il y a des parpaings, je ne veux pas désigner des méchants, mais il y a Lafarge qui produit du béton, Lafarge ou d'autres, il faut vendre du parpaing, etc. Il y a des commerciaux qui peut-être, je ne sais pas, ça marche peut-être un peu comme ça. Et évidemment, voilà, on construit des maisons avec des murs autour. Voilà. Après, moi, ce que j'aimerais dire aussi, parce qu'on a en plus la présidente de Cinévoile, qui est vice-présidente, je ne sais pas, madame de Cinévoile, qui est avec nous. Alors, vous êtes directrice du Ciné-Club. Oui. Voilà, directrice du Ciné-Club. Voilà. C'est qu'on est, voilà, dans une salle de cinéma, et que, justement, les salles de cinéma dans les centres anciens, c'est de plus en plus rare. La plupart des cinémas, comme celui-ci, ont fermé. Et on a maintenant des grandes boîtes de concert, voilà, avec les supermarchés à l'extérieur des villes. Et parfois, c'est compliqué pour les jeunes d'aller voir son cinéma parce que le bus s'arrête pas devant et qu'il faut marcher parfois, traverser les ronds-points, les routes à grande vitesse. Et voilà, je trouve que c'est bien aussi qu'on ait ce débat dans un cinéma de centre ancien parce qu'il faut aussi qu'on se mobilise pour... ne pas les laisser mourir, et votre présence ce soir aussi, c'est une façon de soutenir aussi ce l'importance de ces lieux de retrouvailles. Ça, c'est aussi un lieu de convivialité, le cinéma. Je m'excuse, je ne veux pas mobiliser ça, j'avais oublié de le dire, justement, tu m'as fait penser, c'est que vous parliez de « on organise des choses », voilà, il y a 10 personnes qui viennent, etc. Je me disais, proportionnellement quand même au nombre d'habitants, si par exemple à Paris, encore une fois, ou à Lyon, il y avait le même nombre de personnes qu'à l'opéra, ils auraient intérêt à construire un opéra immense, hein. Et que le, en fait, c'est le comment dirais-je, le réseau Internet est une, entre autres, une machine à produire de la réputation. Et le, c'est, vous savez, Facebook ou autre, les réseaux sociaux, le like. Et en fait, souvent, on a beaucoup plus d'amis virtuels ou avec qui on peut converser virtuellement. Et effectivement, tout le monde le sait, quoi. Et la question, c'est de réinvestir le réel, quoi. C'est-à-dire, c'est génial Internet, hein. Moi je suis ça crée une espèce de... le ciel des idées, je pense à la philosophie, vous savez que Platon a inventé le ciel des idées, il a dit, mais non, les idées elles sont pures, elles sont dans le ciel, Internet c'est un truc qui nous englobe et les idées sont sur Internet. Alors effectivement, les jeunes architectes viennent avec leurs idées, leurs concepts, et ils viennent... peut-être leurs idées pures, comme disait le jeune homme, et dire voilà, c'est comme ça que ça marche. Après, il y a l'autre concept, c'est-à-dire l'immanence, c'est-à-dire les plantes, elles poussent ou elles poussent pas. Bon, on peut essayer de les trafiquer, mais elles poussent. Et donc, les choses s'autoproduisent. Il faut que les choses, peut-être, se produisent tous autant qu'on est. Il faut qu'on fasse preuve d'imagination, je crois, quoi. Après, c'est vrai que notre mode de vie change. Je crois que l'Internet, c'est vraiment une révolution, mais c'est incroyable, quoi. Comme à l'époque, justement, de la Grèce antique, Socrate était contre l'écriture, vous le savez, la grammatisation du texte. Là, aujourd'hui, c'est quasiment la même chose, hein, Internet, parce qu'il disait que si on répète des choses qui ont été écrites, eh bien, on ne pensera plus, quoi. Donc, peut-être, je ne sais pas, vous avez un site, un Facebook et tout ça? Oui, pas Facebook, mais site, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Et, voilà. Est-ce que dans la salle, les personnes qui ne se sont pas exprimées? Ah, voilà, madame. Moi,
moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'on peut inventer dans des villages pour que des gens se retrouvent, que des gens viennent, que des gens échangent. Et des exemples que j'ai dans les villages un petit peu autour, c'est par exemple à Malviès, il y a un café qui n'est pas ouvert tout le temps, mais qui est ouvert de temps en temps, et il se passe des choses et les gens y viennent un petit peu. Bon. Il y a un autre village, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, un lieu où on peut avoir Internet, parce que tout le monde n'a pas Internet non plus. Hein. Et donc, il y a aussi une bibliothèque en même temps, enfin, où on peut emprunter des livres. Donc voilà, des espèces de pôles comme ça, où vous parlez de commerce. Alors, bon, effectivement, mais est-ce que c'est. Ben, je pense que des lieux où. Où on peut trouver quelque chose qu'on n'a pas chez soi et où des gens peuvent se retrouver, où il peut y avoir de temps en temps une petite fête, ou comme la dame disait dans le film, là, un loto ou quelque chose. Ah, c'est aussi une façon que les gens se retrouvent, même s'ils ne sont pas dans le cœur du village. En tout cas, comment faire pour qu'ils y aillent et qu'ils prennent l'habitude d'y aller et d'y rencontrer les gens. Moi, je trouve que c'est aussi une piste importante, quoi. Ce qui concerne Pieux, nous avons une bibliothèque, bien sûr. À cette bibliothèque, il y a un point internet gratuit que l'on peut utiliser. Je reprends de nouveau, nous avons 18 associations qui font des animations. Sur 365 jours, on doit avoir 120 ou 130 jours d'animation en ce qui concerne Pieux. Tout âge, qui concerne les personnes qui aiment la bonne musique, il n'y a pas de mauvaise bonne musique, disons. Du classique au monde de l'avant, des fêtes plus populaires. Il y a la fête du village, qui a été reprise depuis 3 ans, par une très bonne équipe, qui anime, qui était partie un jour, mais cette année on va passer 2 à 3 ou 4 jours. Le concours de volonté. Il y a un concours de volonté tous les 15 jours. Il y a un club du troisième âge qui vit tous les mardis après-midi. Je voulais compléter ce qui vient d'être dit concernant la convivialité et concernant donc justement qu'est-ce qui peut être faire un nouveau lien entre de nouveaux habitants donc dans un environnement qui n'est pas celui qu'ils avaient auparavant. Si les villages existent tels qu'ils sont, c'est qu'ils ont un ancrage dans le territoire, dans une activité qui était liée à la terre. Ils sont construits de cette manière, ils étaient occupés de cette manière parce que les gens avaient une chose en commun. C'est la manière de s'approprier le territoire agricole autour. Il n'y a plus cette activité, ce lien direct, et on veut que des personnes qui sont extérieures s'approprient ces territoires et en même temps une convivialité, alors qu'ils n'auront pas cette partie en commun qui est le travail de la terre. Ça se pratique dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villes maintenant, en faisant tout simplement des jardins communautaires. À partir du moment où les gens cultivent la terre en commun, le problème de la convivialité est résolu. Parce qu'ils font des choses. Il y a un lieu de rencontre, il y a une activité qui est là toute l'année, et il y a un lien avec le passé. Et là, on fait démarrer une activité conviviale. Ça se produit dans des grandes villes en Allemagne, ça se produit dans des grandes villes partout. Il suffit d'avoir partout dans le village des emplacements qui sont gratuits, accessibles à tous, où on va cultiver ses fruits et ses légumes. Et tout le monde y va à tour de rôle. Et les gens se rencontrent, discutent, échangent, et ils recréent un nouveau lien. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. C'est un exemple. Pierre, ce n'est pas... Je pense que peut-être on oublie un petit détail. Les enfants, c'est 6 à 8 heures d'écran par jour, et les adultes, c'est 4 à 5 heures de télévision par jour. Alors la convivialité, la convivialité dans ce cadre... Je ne sais pas comment on peut l'organiser. Hein. Quand les 7 mercenaires nous racontent des histoires, il y a 5 millions de Français qui les regardent. Mais les jardins, c'est vrai que je connais ça dans une autre ville, un pays étranger qui est le Canada, dans une grande ville qui est Montréal. Ça marche énormément. Il y a, je ne sais pas, 100 terrains qui sont en plein centre-ville. Et là, nous, ce n'est pas le problème. Alors, on a beaucoup parlé de Pieux, mais peut-être qu'il y a des habitants d'autres villages ou des gens de Limoux dans la salle, ou vous êtes tous de Pieux? Non.
d'autres villages. Vous avez une autre expérience de tout ça? Vous êtes de Limoux et vous avez des réactions par rapport à ce que vous avez vu dans le film? Par rapport à Limoux, vous avez envie d'en parler? Le centre-ville de Limoux est absolument désert. Et les commerces et les maisons individuelles. Donc c'est pour ça que, bon, je comprends qu'il y a un nombre de pieux saints, pardon, artistes du film en plus. Je m'amuse, hein. Et que donc, ça, bien sûr, on tourne autour de Pieus, et même autour du centre-bourg de Pieus, que je connais bien par ailleurs. Mais c'est ce que je vous disais, on peut extrapoler sur les villages tous, et les villes moyennes et quelques grandes en général. Donc je disais aussi à Desantin jusqu'au arrondissement de Paris, qui est idyllique et que vous connaissez fort bien, mais que je n'ai jamais vu encore. Donc sur Limoux, qu'est-ce que vous pourriez nous dire alors? Mais je ne sais pas, moi je déplore la désertification des centres-villes comme beaucoup de personnes. Après, qu'est-ce que vous voulez, moi je n'habite pas loin du centre-ville, mais une maison ancienne. Bon, je ne vais pas aller acheter des maisons en centre-ville, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour dire aux gens. Voilà. Bon, après, sur la convivialité, ben, moi, je dirais la même chose que Jacques tout à l'heure, qui disait le nombre d'heures que les gens passent. On dit les gens, mais malheureusement, c'est, je ne sais pas, peut-être 80 ou 90% des gens. Donc c'est pas, si c'était 20 ou 30, il resterait des autres. Et là, malheureusement, on sait bien que non. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'état d'esprit déjà. Il faut, je sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Nous, on s'occupe de ciné-club, on a une bonne participation, on est content, mais bon, après, on ne va pas aller... C'est quoi les cortas, au plus? Il faut délirer. Il faut délirer. Il faut, si on veut récupérer la raison, il faut délirer. Parce que ce dont on parle, c'est l'art de vivre. Et c'est-à-dire, c'est vrai que, par exemple, si au 19e siècle, est-ce que les gens, au fond, étaient heureux? J'en sais rien, moi, je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Moi, je suis ornithologue, j'aime bien les oiseaux, tout ça. Il y a un petit village dans les Deux-Sèvres qui s'appelle Ménigout. C'est un bled, quoi, le trou du cul du monde. Et bien dans ce village, ils ont créé le Festival international du film d'ornithologie. La planète entière vient là-bas. Oui, mais ils ont créé, c'est une femme qui a créé ça, ils ont créé une école de cinéma animalier, voilà, une économie, etc. D'ailleurs, si on va chez Goscinny, le petit village de Gaulois, ça me fait bien rire, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils résistent. Par exemple, je me disais, voilà. Faites une idée, hein, c'est une idée. Ok. Faites un festival de... Reprenez les écrans, il faut détourner les écrans, on les a. Il faut s'en servir. Faites un festival du cinéma expérimental. Vous regardez, vous invitez, vous mettez du fric et vous invitez les meilleurs du monde. Des Américains, tout ça. Vous les faites venir et les gens... Et vous dites aux gens du village, ben, les films sont diffusés. Et je ne sais pas, un Chinois, un Japonais, vous dites, ah, Pieux, il reste chez l'habitant et on diffuse les films et on en parle à fond. Peut-être, vous voyez, enfin, je ne sais pas, et du coup, surtout, c'est que les gens du village, ça va devenir leur truc à eux. C'est-à-dire, c'est leur festival, on va se créer du... Le goût, le vin. Moi, quand je suis arrivé ici, je me dis, et voilà, j'en ai plus des litres, hein, pour enfin l'apprécier, quoi. Bon, je le dis un peu de manière rigolote, excessive, mais je crois vraiment qu'il faut délirer. Et d'ailleurs, ce sont les poètes, c'est pas les scientifiques. Enfin, les scientifiques passent après les poètes. Ce sont les poètes qui ont la vision du monde. Ils savent pas comment, mais ils se donnent la vision du monde. C'est les poètes. Tiens, Deltaï, voilà. C'est eux qui donnent la cuisine paléolithique. Ce sont eux. Mais ça, c'est dingue, quoi. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un festival de, je sais pas, moi, de littérature? Si. Bon, je prends la balle au bord. Bon, je voyais qu'on s'endormait un peu. Je prends la balle au bord. On a essayé de faire un festival de l'été. Bon, on a essayé pendant 7 ans ou 8 ans. 7 ans. 7 années.
cette année. On a essayé de faire ce festival, mais on n'est pas arrivé. Il n'y avait pas de monde, les gens ne venaient pas. Voilà. Si on ne repart du soir. Oui, ce que je dis souvent, hein, si vous voulez avoir du monde, faites à manger et à boire, là vous aurez du monde, c'est faux. On était une poignée l'après-midi au concours de poésie et on était. 150 repas. Ça c'est sûr. Hein. Mais. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit Jacques. C'est vrai que son constat est exact, mais il ne faut pas rester sur le constat. Quoi. Il faut essayer de trouver des idées, il faut essayer de faire avancer les choses. Quoi. Voilà. Il faut être volontaire. Tout à fait d'accord, je ne suis pas pour rester sur votre table. Dans mon métier, souvent j'arrivais dans le village et je ne savais pas exactement où habitait la personne. Mais vous n'avez dans la journée personne dans la rue, dans les villages. Vous n'arrivez même pas à dire mais à qui je pourrais parler dans ce village. Hein? Et où ils sont les gens? Parce que moi, je rentrais dans leur maison. Beaucoup allument la télé quand ils se lèvent, c'est un ronronnement. Ils éteignent quand ils se couchent. Mais ils ne ressentent pas le besoin d'aller voir le voisin et dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui hein? ?» Oh, non, ils ont quelqu'un qui leur parle sans arrêt. Et ça, on le sous-estime tous. Hein? On non, le sous-estime. Je ne pense pas. Je ne sous-estime pas. Je ne parle pas de vous. Je pense qu'il y a... On le sait tous, ça. Je pense... Mais bon, il faut trouver des solutions. Je vois, nous, on essaie au niveau de la municipalité, on essaie d'aider, je le disais tout à l'heure, des associations pour créer des événements, pour créer des animations. Il y a des soirées cabo-jazz qui font. Il y a les soirées cabo-jazz, il y a la fête du village, il y a les soirées blottes, il y a. Enfin, il y a les concerts des jeunes là, qui font du rock. Enfin bon, il y a tout un tas d'animations qu'on essaye de faire. Mais bon, on ne peut pas obliger les gens non plus. Hein. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des écrans. Parce qu'un habitant de Pionne sur deux réagit comme s'il vivait en banlieue dangereuse. Bien sûr, hein. Et comment ça se fait? La société du spectacle. C'est que quelqu'un tout le jour leur dit quelque chose que vraiment, attention, etc. C'est quand même inquiétant. J'ai l'impression qu'il y a un consensus qui se dégage autour du fait que la télévision... On va voter une motion de censure ce soir. Voilà. Hein, et on va dire non à la télévision, faire des coupures totalement arbitraires. La motion voilà. De censure est inscrite. Initialement, quand même, initialement, là, on dérive sur les animations des villages. Oui. Mais je pense que, initialement, le travail que vous avez fait, c'était non pas pour animer les villages, mais plutôt pour habiter dans les maisons. Or, là, dans les centres-villes, effectivement, Limoux, dans toutes les petites villes, les centres-villes sont absolument déserts. Il n'y a plus personne qui habite les centres-villes. Alors, il y a quand même aussi une volonté quand même politique. Qu'est-ce qu'on veut faire pour aider les gens à habiter au centre-ville? Parce qu'effectivement, on parle d'un couple jeune, c'est sûr que c'est plus facile et plus agréable de vivre, même si la maison est éphémère, elle dure 20 ans. C'est plus agréable de passer 20 ans au soleil que dans une rue sombre. Alors, est-ce qu'il y a une volonté politique aussi à aider financièrement les gens? Parce que ce n'est pas le même coût. Refaire une maison ancienne et construire une maison avec les taux actuellement et les terrains pas trop chers, ce n'est pas le même coût. Qui actuellement, en dehors de quelques Anglais qui ont finalement de l'argent et qui achètent de jolies maisons, ont les moyens de refaire des maisons en centre-ville ou ailleurs? Rien que le coût d'une façade, le coût d'un toit, quand on voit ce que ça coûte, il faut vraiment financièrement, soit on aide les gens et on dit voilà, on va faire des subventions particulières ou spéciales si vous vous installez là ou là, mais s'il n'y a pas cette volonté, personne n'ira vivre en centre-ville, personne n'aura l'idée d'aller, ou alors il faut prendre les migrants, et à ce moment-là, pourquoi pas, on tombe sur une autre population qui ramène quelque chose de nouveau, qui vont trouver un intérêt. Parce que nous Français, avec nos ou autre pays, avec nos, quand même notre confort, nous sommes habitués à un certain confort, personne n'ira s'enfermer dans une rue à pièces, dans une vieille maison. Moi, je ne crois pas. Mais on est dans un confort, mais on est dans un mal-être. Peu importe. Si en plus du mal-être, on est dans l'inconfort,
Ça va être une catastrophe. Alors vous avez raison. C'est ça, le problème. Vous avez raison quand vous pointez la volonté politique. Et là, on va prendre un petit peu de hauteur parce que là, on a des élus dans la salle. On ne va pas leur faire porter le chapeau pour non, tout. Alors, pas les élus, pas voilà. Non, mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que il se trouve qu'aujourd'hui, et la France a beaucoup de retard, ça a été identifié par un monsieur, il a dit la France a 30 ans de retard. On a 30 ans de retard, ça c'est évident. Dans d'autres pays, voilà. Alors, aujourd'hui, on peut, voilà, il semble qu'il y ait une prise de conscience, voilà, au niveau gouvernemental. On le voit aussi aujourd'hui au niveau des grandes régions, puisqu'il y a des fléchages en termes de subventions qui sont sur ces lignes-là de centre-bourg. On a des établissements publics fonciers aussi qui s'emparent de cette question. On était à l'Orminafort en projection la semaine dernière. Il y avait un chargé de mission du cabinet de l'agglo de Carcassonne qui est venu aussi nous dire qu'il avait été nommé précisément sur ces questions de centre-bourg. C'est une question qui aujourd'hui fait beaucoup débat. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir justement au niveau du territoire national en son entier à un urbanisme rural, parce que l'urbanisme, c'est pas que l'urbanisme urbain, c'est pas que pour les villes, l'urbanisme, c'est aussi pour le milieu rural. Donc aujourd'hui, il y a des leviers en termes urbanistiques que peuvent actionner les maires, et notamment les établissements publics fonciers. Donc il y a comme ça un certain nombre de leviers qui existent, qui peuvent permettre effectivement aux élus d'avoir des moyens qui vont permettre effectivement de ensuite à des privés qui effectivement avec leurs seuls moyens ne peuvent pas y arriver. Donc c'est, je dirais, un mélange public-privé, voilà, c'est une machine comme ça à mettre en route, et vous faites bien de le signaler. C'est vrai que la volonté politique est absolument majeure et essentielle, mais elle est à toutes les échelles, pas qu'à l'échelon local. Et puis après, il y a effectivement chacun d'entre nous qui amène aussi sa petite pierre à l'édifice. Et de la même façon, enfin, ils en ont parlé, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que si le bâti est plus hospitalier, si les rues sont plus agréables, si quand on s'y promène, on s'imagine, on arrive à se projeter, à se dire mais oui, je pourrais vivre ici, j'attends un enfant, voilà, je suis un jeune couple, mais qu'est-ce qu'on est bien ici, ben, finalement, je suis peut-être prêt à faire un petit peu plus de kilomètres en voiture pour finalement avoir ce cadre de vie, ce confort que je n'aurais peut-être pas dans la grande ville, qui est tout proche, qui est à côté. Donc je dirais qu'en fait, le problème, il est à prendre par tous les côtés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut d'abord démolir et reconstruire pour faire venir. Il faut d'abord peut-être susciter aussi le désir par d'autres actions, comme vous dites, peut-être des choses plus fines et plus ponctuelles, comme des animations qui vont faire que les gens vont découvrir un village et dire mais finalement on y vit bien. On a vu cet Anglais qui est allé déjeuner à Limoux parce qu'il accompagnait c'est un fan du 13 de France et que sa société voilà, sponsorisait la Rugby League. Et il a déjeuné à Limoux, et en sortant de Limoux, il a vu comme ça sur cet éperon rocheux ce village comme ça en sentinelle. Il a trouvé ça très beau, il a eu le coup de foudre, il est venu, voilà. Donc on sait aussi que nos villages, nos centres anciens, nos villages, ont des qualités patrimoniales qui font que voilà, ça attire aussi l'œil, le regard, et que voilà, c'est attirant aussi pour le tourisme. Et vous posiez la question de l'économie, malheureusement, qui est effectivement est problématique dans l'Aude. Bon, le tourisme est un des ressorts, voilà, un des atouts de l'Aude. Et c'est vrai que si nos villages, on les laisse crever, eh ben, on va perdre encore une de nos richesses, et ça, ce serait quand même vraiment extrêmement dommage. Et en même temps, quand même, vous parliez de Paris, les architectes, effectivement, moi j'avais noté, c'était des gens qui arrivaient, ce sont des gens qui sont venus de Grenoble, enfin plutôt des grandes villes, c'est-à-dire dans des lieux où ils sont formés. Donc, je pense que l'argent, personnellement aussi, n'a pas été forcément, jusqu'à maintenant en tout cas, équitablement distribué. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, dans les grandes villes, on parle de certains quartiers parisiens, par exemple, où il y a eu énormément d'aides pour refaire les façades, pour rénover les toitures, etc., etc. Des choses qui sont restées encore dans Lyon, dans Paris, dans les grandes villes, mais qui ne sont pas forcément... Les campagnes n'en ont pas forcément bénéficié non plus, jusqu'à maintenant. Absolument. Je pense qu'il y a eu les capitales et puis la campagne où, ma foi, on vivait encore avec les WC, c'était pas grave si les WC étaient... Tout
à fait. D'ailleurs, le premier plan du film, avant que le film commence, l'open plan, c'est dans un contexte de déséquilibre du territoire. On est dans un contexte de déséquilibre majeur, où effectivement les campagnes ont complètement été oubliées. Et quand on regarde notre région Languedoc-Roussillon ou ex-Languedoc-Roussillon, Montpellier a été très très bien servi, et puis finalement, voilà. Donc, on est entièrement d'accord sur ce diagnostic. Je crois que se battre, si les politiques des campagnes doivent se battre, c'est bien pour avoir leur part du gâteau à eux aussi. Parce que c'est pas... Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Il n'y a que comme ça. S'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas les finances, vous le disiez avec petit budget, etc., si refaire une rue dans un village, ça vous grève le budget de toute l'année, bon, mais stop, quoi. Arrêtons, ou alors faisons vivre des architectes, des paysagistes qui ont besoin aussi de bosser, donc ils viennent dans des villages, ça leur rapporte quelque chose, mais c'est un peu, je dirais pas c'est du cinéma, mais je veux pas non plus finir sur une note pessimiste, mais on nous enfume un peu, quoi. Voilà. Je pense aussi quand même qu'il y a une disparité entre villages en France. C'est-à-dire que, mettons, on n'a qu'à voir la Dordogne. En Dordogne, il y a les plus beaux villages de France. On voit qu'il a été injecté des moyens faramineux. Et c'est vrai que ça attire le monde et tout. Alors que ici, c'est vrai qu'on ne nous donne pas les moyens, je pense. Ça a effet aussi au niveau économique. Il y a quand même Éric Andrieux. Alors je sais qui est à la communauté européenne et à une époque a quand même raclé pour le pays Qatar et tout ça. Et lui, il a chopé des ronds. Oui, quand même. Mais le pays Qatar est passé 4 jours au pays Qatar, voilà. C'est pas tous les villages. Non, c'est le, je ne sais plus ce qu'ils appelaient le programme montagne, enfin, je ne sais plus exactement quand ça s'appelait. Oui, oui, il a fait beaucoup pour le tourisme, voilà. Peut-être que je n'ai pas besoin du micro. Je suis d'accord avec le maire de Pierre que ça ne doit pas être évident de rénover le centre de Pierre au point de vue financier. Je suis d'accord, mais ce qui me paraît plus grave, alors ça ne touche pas le cœur du village, mais c'est que partout, dans la périphérie des villages et des petites villes, il s'est fait architecturalement n'importe quoi. On a fait des lotissements où on a foutu le maximum de maisons et des petites rues, etc. Est-ce qu'on ne pouvait pas concevoir à l'époque, mais ça c'est 50 ans de retard, des agrandissements de villages qui, de manière que ça reste dans le village quand même, cet agrandissement, au lieu d'être des lotissements périphériques, qui fait qu'il y a une différence énorme entre ces gens-là qui sont le long de l'or de la pièce et le village lui-même. Et c'est pareil pour Limoux. Quand vous prenez tous les lotissements autour de Limoux, c'est une catastrophe. À Flacia, il y a 50 ans, il n'y avait presque rien. On a foutu des maisons partout, mais il n'y a aucun centre de vie et de convivialité à Flacia. Mais c'est pareil sur la route de Saint-Polycarpe. On a foutu des maisons et les gens, ils sont obligés. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne suis pas architecte. Moi, personnellement, si j'étais architecte, j'aurais dit, on va faire de grandes buildings et des espaces verts tout autour, et on va s'arranger pour qu'il y ait suffisamment de monde au même endroit pour avoir une épicerie, le journal, etc. On en est réduit maintenant que les gens qui habitent autour de Pierce, pour n'importe quoi, il faut qu'ils prennent la voiture. C'est complètement débile ce qu'on fait depuis 50 ans. Et si le village de Pierce, quand je dis Pierce, c'est pas Pierce, oui, c'est tous les autres villages, ils avaient intégré les nouvelles maisons dans un espace qui fasse que ce soit quand même encore un village. Moi, quand je passe devant des villages, je regarde. Oh putain, le village est magnifique, et tout autour, vous avez n'importe quoi. Et ça, c'est quand même vraiment, je sais pas, triste de voir qu'il n'y a pas d'architecture dans ce pays depuis 7 ans. Alors, peut-être on va s'acheminer vers la fin de ce débat. Simplement, la dame est partie, c'est un petit peu dommage, mais je voudrais quand même rebondir sur ce qu'elle a dit, parce qu'elle a parlé d'enfumage. Alors, je voudrais simplement, ce soir, je représente le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous cet organisme. En fait, c'est un organisme, c'est une association de droit privé, c'est-à-dire nous ne sommes pas des fonctionnaires du tout, mais nous avons des missions d'intérêt public, et le CAUE n'a rien à vendre. En fait, nous sommes un organisme de conseil, nous accompagnons des particuliers,
des gens comme vous et moi qui construisons, qui rénoverons une maison, qui avons besoin de conseils. Donc nous offrons, nous donnons nos conseils gracieusement. Nous accompagnons également des communes, des collectivités, gracieusement aussi. Chaque fois qu'il y a une question d'aménagement qui se pose, on est là. On peut nous solliciter. Il y a 456 communes dans l'Aude. Et chacune d'entre elles est susceptible de nous solliciter et on y va. Et on est une très très petite équipe. Et puis on fait aussi des actions comme ce soir de sensibilisation justement pour, sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère, pour dire bah, peut-être qu'on pourrait faire un petit peu autrement. Et on prêche souvent beaucoup dans le désert. Et là par exemple, ce film que nous avons fait avec Stéphane, ça fait maintenant un mois et demi que nous accompagnons ce film sans aller dans des salles comme à Tuchan, c'est vrai, Tuchan, comme à Ouveillan, comme à Grissan, à Lézignan, nous irons à Axat, nous irons à Quillan. On est allé dans des salles, après on fait une heure et demie de route, où ben, il y avait cinq personnes. Voilà. Bon, c'est, voilà, on ne fait pas d'argent avec ça. La recette même de ce soir, bon, c'est même pas si ça couvrira les frais hein, voilà, engagés. Donc voilà, c'était quand même pour répondre à ça. En fait, c'est du militantisme. Hein. Ce qu'on fait, c'est vraiment, là on prêche sur un sujet qui est un sujet qui est très très difficile, comme vous dites, il y a des décennies de retard. On essaye modestement d'amener notre toute petite pierre à l'édifice, d'essayer de créer du débat, d'essayer de faire en sorte que bah, des élus, des habitants se parlent, se reparlent, se rencontrent. Ces jeunes que vous avez vus à l'écran, bien sûr, ils sont jeunes et bien sûr, ils sont dans des villes parce que les universités, ben, elles sont dans des villes, elles ne sont pas dans des villages. Mais ce n'est pas des bobos, ils ne sont absolument pas arrogants, ils ont été vraiment très très proches des gens. Et voilà, et donc c'est vraiment une démarche sincère. Et encore une fois, voilà, on a vraiment rien à vendre, on est vraiment là juste pour essayer ben, de vous aider, d'accompagner les élus. Parce qu'il y a beaucoup d'élus qui sont très dépassés par ces problématiques, qui ont vraiment besoin d'avoir aussi une oreille, une écoute et de trouver des techniciens avec qui parler. Voilà. Donc je voulais juste. C'est vraiment soit sérieux. Je vais donner encore la parole une deux fois, puis on s'y rendra. Ouais, ou sans le micro, je sais pas. Alors là, pour le coup, je vais parler en tant que jeune, rapidement. Non, mais c'est vrai qu'en tant que jeune, je rebondis sur la réflexion, sur la télévision, le vivre ensemble. C'est pour ça que j'ai soulevé la question de la convivialité plutôt. C'est que quand on arrive dans le monde, dans la société, comme tout ça, à travers les études, le travail, bon, il y a un grand message que moi j'ai ressenti hein, en découvrant tout ça, c'est la compétition et je suis pour ça, quoi. Après, il y aura chacun, quand on arrive à ça, de faire son chemin. Et moi, j'ai choisi le mien. Mais je pense qu'effectivement, il y a ça. Et je pense qu'il y a quelque chose à reconstruire autour de ça, et qui est là de l'ordre de l'individuel ou d'action militante pour diffuser d'autres messages et d'autres manières de faire. Moi, j'habite à Flacian. Et effectivement, c'est un désastre. Parce que c'est que du lotissement. Enfin, je suis en location là-bas. Je suis venu pour une formation ici qui vous amène d'ailleurs aussi au renouveau de la jeunesse, c'est Batipol à Saint-Martin, et de la jeunesse sous tout âge, hein, et Pierre aussi avec moi qui en a fait la formation, pas exactement la même. Bon, mais pour dire pour faire ça, en effet, c'est le cas. Enfin, pour aller acheter mon pain, la seule boulangerie à laquelle j'ai droit, c'est une industrie du pain qui pratique qui est différente d'une boulangerie pour pas la citer, qui est assez étonnante dans son style, mais qui marche très bien, soit dit en passant. Et enfin, dernière remarque, moi je pense qu'il y a besoin effectivement de regard, comme le disait le maire de Laure, la dernière fois, qui disait c'est intéressant, moi j'ai le regard de village comme il était à 60 ans, et c'est vrai que le regard de personne extérieure, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la rencontre, par contre, pour pas que ce soit un truc qui vient de l'extérieur et hop, on plaque quelque chose, standardiser un village X, mais la rencontre va être intéressante. Et après, moi, j'estime vraiment qu'il y a la question économique, de la relocalisation de l'économie dans un village, et j'invite les élus, si c'est pas déjà fait, c'est peut-être le cas, mais à regarder aussi des questions de macroéconomie qui ont des impacts sur les budgets, sur les grandes orientations politiques. Et en ce moment, on a les questions des traités de libre-échange avec les États-Unis, le Canada, qui, si ces traités-là passent, par exemple, c'est la mort programmée des petits villages, et ça, vous pouvez le croire. Hein. Et donc, je vous invite à vous déclarer village hors TAFTA, hors CETA, et interpeller les parlementaires européens pour leur vote prochain. C'était très bien. Merci beaucoup.
Oui, un début de révolution, hein, parce qu'on arrête la télévision et on dénonce les traités d'AFTA. Waouh, c'est génial. On doit avancer. Voilà.